Bonjour, super, vous êtes bien motivé pour le pilates de l'été. Je vous propose une séance toujours axée sur le renforcement des muscles posturaux, mais avec un petit peu plus de bras sur cette deuxième séance. Vous pouvez bien sûr conjuguer comme vous voulez l'une ou l'autre des séances dans l'ordre ou en les enchaînant l'une à l'autre. Petit accessoire dont vous pourriez avoir besoin si vous voulez rajouter un petit niveau de difficulté au niveau du renforcement des bras, notamment sur les premiers exercices, c'est tout simplement une bouteille d'eau. Si vous n'avez pas d'halter chez vous, une bouteille de 50 cl, c'est bien largement suffisant. Seule petite vigilance que je vais vous demander là-dessus, c'est de bien faire attention à la manière dont vous tenez en fait votre halter ou votre bouteille d'eau pour ne pas casser votre poignet, d'accord? Ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, mais pour vraiment visualiser, imaginez que vous avez une tige ici en métal et qu'il y a une bonne rigidité au niveau de vos avant-bras sur tous les exercices que vous allez pouvoir faire, de fermeture ici sur les pectoraux ou ensuite de relever comme ça d'avant-bras. Faites bien attention à rester bien fixé ici au niveau de vos poignets. Allez, c'est parti. Alors, petit échauffement de notre séance de bras, d'abord mobilisation articulaire générale, les deux pieds bien parallèles, les épaules bien basses, le menton reculé et on va pivoter vers la droite et vers la gauche, d'un côté, de l'autre, tout doucement, très bien, au milieu, on avance le menton et on recule. Me place de profil, on avance et vous reculez comme si vous vouliez appuyer l'arrière de votre tête sur un mur. On avance, on recule les oreilles au niveau des épaules. Très bien, encore une dernière fois. Les épaules toujours bien basses, on bascule la tête vers la poitrine, inspire et expire ici, on lâche toutes les tensions. Inspire, relève. Expire, menton, poitrine, relâche. On roule le menton vers une épaule. Inspire. Expire, relâche la tête vers l'avant. On roule vers l'autre épaule. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Et une dernière fois. Si on continue le cercle sans pincer trop le cervical, juste on monte un peu le nez et on inverse le cercle. On fait un cercle dans l'autre sens, cercle complet et encore une dernière fois. Ok, on finit. La tête en bas, monte en contre-poitrine, inspire, redresse la tête, réempile bien les cervicales. Et va chercher à reculer les oreilles. Donc, les épaules. Hop, petite rotation. Arrière. Et avant. Et arrière. Et avant. Super. Pliez les genoux. Bascule le bassin. En rotation, un cercle. Un sens. Dans l'autre sens, encore. Je m'avance. Rotation. Des genoux, un sens, et l'autre sens, et encore change. Et l'autre sens. Je reste ici au milieu, je fixe ma posture, je relâche ma tête, inspire, expire, descend, relâche les bras, le buste, la tête, inspire dans le dos, expire, monte. Inspire, monte. Expire, repart. Menton, poitrine, genou souple, on descend. Inspire en bas. Expire, monte. Ok, très bien. Je vais lever les mains maintenant. Étirer les bras vers le plafond. Inspire. Expire, ramène les coudes. Crée une résistance comme si tu tirais sur les côtés sur une barre. Super. Inspire. On chauffe un peu le haut du corps. Inspire. Expire. Les glisses et les bras bien ouverts sur le côté. Inspire. Expire. Ramène les coudes vers le buste. Encore une dernière fois. Inspire.
Expire très bien. Je passe de profil. On va inspirer et ramène les bras à l'horizontale, les mains au niveau des aisselles. Inspire. Un peu un mouvement de rameur, d'accord? Inspire. Expire. Avec les mains posées sur les épaules et rotation avant et arrière et avant et arrière. Ok, nous voilà échauffés, c'est parti pour le reste de la séance. Debout, pieds parallèles, d'accord, largeur du bassin, on va faire un petit mouvement d'équilibre en sollicitant les bras. C'est ici que vous pouvez venir tenir une bouteille ou des haltères dans chacun de vos bras sur ces mouvements. D'accord? Inspire, ancre bien un pied dans le sol, expire, allège l'autre jambe et viens monter ton genou à peu près à la hauteur des hanches ou un peu plus bas si tu n'as pas trop d'équilibre. Inspire, ouvre les bras et petite rotation. Et on fait 10 cercles vers l'arrière. Et dans le sens. Attention, grandis-toi. Essaye de garder vraiment l'équilibre et de ne rien bouger au niveau du buste. Et encore, on change de sens. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus que 10 dans l'autre sens. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste ici. Expire. Redescends les bras et les jambes. On vient ancrer la jambe qu'on vient juste de soulever. Expire, je soulève l'autre jambe. Inspire, ouvre les bras. Expire, engage l'abdos, périnée. On vient tout concentrer vers le centre pour vraiment maintenir cette posture. Ancre bien le pied et va chercher la hauteur. Ok, toujours option 1 avec halter, option 2 sans halter comme moi. Vous pouvez fermer les poings. Inspire. Expire, ferme les avant-bras. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Les coudes restent au niveau des épaules. D'accord? C'est que les avant-bras qui bougent. Inspire, ouvre en même temps que j'ouvre la cage thoracique. Expire. Le nombril qui vient plaquer la colonne, les bras qui viennent contre la poitrine. Inspire. Et encore. 5. Épaules bien basses. 2 et 1. Super. Relâche la jambe et on repart de l'autre côté au niveau de la jambe. On reste toujours en équilibre. Cette fois-ci, on plaque les coudes ici contre le buste. Les deux mains qui viennent comme si on tenait un plateau avec les paumes face au plafond. Inspire. Expire. Amen. Crée la résistance. Inspire. Tu descends juste en haut droit. Expire. Amen. Inspire, main au niveau des coudes. Expire, amène. Pousse. Et allez, pousse. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Super. Relâche, on change de pied. On revient en équilibre. Cette fois-ci, les mains vont venir se placer comme ça, à angle droit. Et on va fermer, expirer. On fait les pectoraux, les avant-bras devant le visage. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Les coudes restent au niveau des épaules. Inspire, ouvre. Et ferme. Expire. Prends l'équilibre dans la posture, dans ton ventre. 5. Et 4. 3. 2. Voilà, super. On va maintenant se placer au bout de son tapis. Ah, vous voyez plus ma tête, ça va pas du tout. Je reste donc ici. Tant pis pour le tapis. Inspire, expire, enroule, menton, poitrine. Hop, vous connaissez la chanson. On vient s'avancer pour se retrouver ici à quatre pattes. Soit vous restez à quatre pattes, soit option suivante,
J'allonge une jambe en projetant bien le tapis avec mes orteils. L'autre jambe. Inspire, descend. Expire, monte. On en fait trois. Inspire, descend. Expire, monte. Plaque les coudes. Et reviens. Inspire. Expire, déroule. Super. Inspire aussi, grandis-toi. Expire, enroule la tête. Deux têtes qui suivent, on redéroule doucement. Inspire, on vient se placer d'abord à quatre pattes. Expire, tend une jambe, l'autre jambe. Fixe bien, attention, pas les fesses trop en haut, d'accord? Venez descendre ses fesses. Avaler le coccyx, basculer un petit peu le bassin. Inspire, descend. Expire, pousse. Et descend. Pousse, bravo. Et on remonte, inspire. Jambes fléchies, expire, redéroule, remonte avec les abdos. Allez, dernier de cette série-là. Expire, redescend. Fais doucement avec le bras. Inspire, je me mets en place. Expire, tend les jambes, accroche bien ses orteils. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire. Et on tourne. Inspire en bas. Expire. Ce n'est pas totalement fini. Petite variante. Inspire. Expire en haut. Je descends. Je la monte sur les genoux pour faire une série. Où je montre aussi la posture pour celles qui sont sur les genoux. Et on vient ouvrir les bras. D'accord? Au-delà de la largeur de votre tapis. Alors, pour celles qui vont le faire avec les jambes tendues, vous expirez, vous êtes ici, d'accord? Pour celles qui font, on appuie sur les genoux, on reste ici, inspire, on descend, on vient descendre le front, expire, on monte. Je décolle les pieds pour mettre tout le poids sur les bras et on remonte comme un piston, inspire, et on remonte, et on revient. Inspire en bas, expire, redéroule. Allez, on n'en fait plus que deux. Et on a fini pour les points. Expire, reviens. En haut. Je monte. La version option plus difficile avec les jambes allongées. Hop. On se positionne avec vraiment les épaules au-dessus des poignets. Inspire, descend. Expire, monte. Allez, je vous entends souffler. Bravo. Inspire, reviens. Et un dernier. Redéroule. Inspire. Expire, rentre ton poitrine. Allez, c'est la partie agréable. Profitez de ce petit moment de calme. On revient et c'est le dernier de la série. On se positionne. On inspire. Attention. Et un. Deux. Et trois. Bravo. On ne remonte pas cette fois-ci. On se met tous sur les genoux. Et on vient s'asseoir sur les pieds. Et étirer le bras. Expire. Parfait. Maintenant, posture assise, bien sur les ischions, d'accord, les jambes bien parallèles comme toujours, on vient redresser vraiment ici le dos en faisant une petite bascule du bassin, ou celle s'il faut, avec les bras au niveau des genoux, on se redresse, ok, inspire ici, les épaules bien basses, expire, descend, inspire, expire, descend. Au maximum, maximum arrondi. On inspire. Allez, on échauffe un peu. Un dernier. Inspire ici. Expire. Je vais basculer en même temps que je tends une jambe.
Si je peux, je lâche les deux mains. Inspire. Expire. Là, ici, mon dos, vous voyez, il est droit, il est fixé. D'accord? Je ne l'arrondis plus. Je reste en posture au niveau du dos. Le défi consiste à allonger les jambes en laissant les deux cuisses au même niveau. Et encore. 4. 3. Si c'est trop dur sans les mains, vous venez attraper derrière les genoux. 2. Et 1. Et maintenant, tout le monde, derrière les genoux, inspire, expire deux jambes. Et 6. 5. Épaules basses. Gainez bien ce ventre. 3. 2. Et 1. Bravo. On reste avec les mains derrière les genoux. Inspire. Et expire. Je vous descends. Tout doucement. En posant vertèbre après vertèbre. Ok. Je rapproche les deux genoux ici de la poitrine. Des fesses, pardon. J'ouvre les mains derrière la tête. Coude bien ouvert. Inspire. Expire, monte ton poitrine, je décolle la tête, je décolle les épaules, je viens regarder entre mes deux genoux. Inspire en haut, expire, redescend. Et on reprend. Inspire en bas, expire, monte en haut, décolle vertèbre par vertèbre, sans tirer avec les bras, d'accord? Les mains sont juste en soutien, c'est les abdos qui travaillent. Inspire en bas. Expire, monte. Je fixe en haut, j'inspire. Expire, descend. Progressivement. Encore deux. Inspire. Expire. Inspire en haut. Expire, descend. Le dernier de cette série. Inspire. Expire, monte. Allez, rapproche un peu tes épaules. Des hanches. Inspire. Expire. Et maintenant, on va le faire des relevés du mais en deux temps. Inspire. Expire. Première pause. Expire. Deuxième pause. Inspire en haut. Expire. Descend. 1. Descend 2. Inspire en bas. Expire 1. Expire 2. Inspire en haut. 1. Et 2. Encore. On ne tire pas sur la nuque. À rapprocher tout doucement vos épaules des hanches, décoller ces omoplates. On décolle la tête, décolle l'épaule omoplate. On repose, on repose. Encore 3. Et on voit bien les coudes. On ne s'enferme pas, on ne se fait pas des œillères. Et si j'ai dit 3, ça veut dire que c'est le dernier, bravo. Et repose. Bravo. Allonge les bras. Et tire. Très bien. On va allonger la jambe gauche. Ramène genou droit. Plié contre la poitrine. Avec les mains qui pressent vraiment le genou vers la poitrine. D'accord? Inspire, expire. On relève le buste. D'accord? On décolle bien les épaules. Et on vient appuyer ce genou contre la poitrine en même temps qu'on cherche à rentrer le nombril au maximum et à monter, venir embrasser le genou. L'autre jambe se décolle du coup légèrement du tapis. Inspire, change. Expire, ramène le genou. Et tu montes la tête. Inspire, croise. Expire. Expire, ramène. Allez, va. Petit bisou du genou. Bisou. Bisou. Encore. Et on accélère. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, bravo! Allonge les jambes. Viens étirer les bras. Inspire, inspire, inspire. Expire, remonte les mains. Décolle la tête.
progressivement la colonne en face sur le côté. Position de plage, pas tout à fait mais presque. Alors ici, j'ai mon bras d'appui bien à angle droit. Je ne veux pas que vous soyez comme ça, affaissé comme sur la plage. D'accord, on cherche à éloigner ses côtes, ce buste. Donc on remonte ici. On engage ici la taille. Et là, l'épaule, c'est comme si vous vouliez vraiment rentrer l'épaule dans le bras et vraiment partir en direction du sol. D'accord? Pas de tension normalement au niveau de la nuque. J'ai mes deux jambes pliées l'une sur l'autre. Mon avant-bras qui peut être soit placé devant, soit venir ici, on appuie sur la hanche. Inspire, expire, monte. Inspire, tu reposes à peine. Expire, tu remontes. C'est un petit mouvement en cloche, d'accord? Vous venez en appui, comme si vous rouliez un petit peu sur l'avant des genoux. 7. Inspire. 6. Pose à peine. 5. 4. 3. 2 et 1. Bravo, c'était le dernier. Et on passe de l'autre côté. Posez bien votre avant-bras, deux genoux pliés, la main sur la hanche si vous souhaitez, d'accord? On appuie sur le côté. Attention, rentrez bien cette épaule. Éloignez la taille ici du tapis. Poitrine bien droite, les deux épaules ici alignées. Inspire. Expire, monte, comme si tu veux monter les fesses, comme un crochet. Inspire, redescends. Expire, monte. Et 10, 9, 8, 7, bravo, 6, expire, inspire, et 3, 2, 1, voilà. Dernier petit exercice de la série. On se retrouve à nouveau à quatre pattes. Vous allez allonger jambe gauche, toujours en posture dégainage. Jambe droite, petite variante ici. Inspire, expire. Je décolle la jambe droite parallèle au sol. Inspire, expire. Je ramène menton poitrine. Inspire, tend. Expire, je ramène vers le coude droit. Inspire, tend. Expire, je croise vers votre coude. Super, je reviens. Inspire, expire mieux. Inspire droit, expire vers l'autre coude. Inspire droit, expire, croise. Super, on revient vers les pieds avec les mains. Inspire, expire. Et on va le faire trois fois. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait une. Inspire, expire. Je descends. Inspire, je me positionne. Expire. Gaine. Inspire, monte la jambe. Expire mieux. Inspire, expire. Coude droit. Coude gauche. Inspire, autre jambe. Expire. Coude gauche. Coude droit. Inspire, on vient. Et on fait le dernier. Bravo, inspire. Expire. Et redescend. Expire. Allez, courage, c'est le dernier. On bouge. Posture de gainage. Inspire. Expire. Engage périmètre en veine. Inspire, allez. Expire, allez. Inspire, allez. Expire à côté. Inspire à l'autre. Prends le côté. Inspire. Change de jambe. Expire mieux. Inspire à l'autre. Expire mieux. Inspire à l'autre. Expire mieux. Bravo. Et reviens tranquillement à la verticale. Six. Inspire, expire.
sur le côté et bascule ici sur le côté et va chercher à étirer au maximum le ventre. Inspire, reviens au milieu. Expire, bascule les fesses de l'autre côté. Encore. Face, on va venir étirer les bras, inspire, main dans les omoplates, expire, amène. Ne cambre pas le dos ici, d'accord? Fais une petite bascule du bassin. Inspire, expire, face, tu attrapes l'autre coude. Projeter les mains derrière. Expire. Pareil, ne creusez pas la porte. On va bien faire une petite bascule du bassin pour protéger le bas du dos. Inspire. Expire. 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 Je vais vous faire un petit câlin. La main ici. Passer contre l'épaule, l'autre coude qui vient se placer dans le bras et ramène. Inspire, relâche un peu et expire, tire. Inspire, relâche le buste, reste de face. On reste de bras, puis de l'autre côté, frapper l'épaule et ramener, essayer de plaquer le bras contre le buste. Inspire. Expire. On reste ici, sauf que vous mettez juste les deux bras ici à la verticale. Vous venez attraper, croiser vos paumes, d'accord? Inspire, expire, montez coude. Inspire, redescend. On se place de profil. Inspire, expire, monte. Inspire, redescend. Les bras, un pied dans votre coude, on croise les mains pour avoir les paumes dirigées à l'intérieur, inspire et expire. Et encore. Et dernier. Super. On se positionne ici. Hop. Petite fente arrière. Pose le genou à l'arrière, recule les fesses pour attraper le pied et avance ta main vers la fesse. On pose le pied, inspire, expire, juste droit, j'entends. Et on change. On tend d'abord la jambe arrière, attention le genou bien aligné ici, pas au-delà, d'accord, des chevilles. Et expire, descend. On pose le genou à l'arrière, on recule les fesses. Attrape pied gauche avec bras droit. Inspire et expire. Amène. Toujours même vigilance, d'accord? Le genou, il est bien au-dessus de la cheville, d'accord? Le tibia est perpendiculaire au sol. Et merci beaucoup. Je vous souhaite des excellentes vacances et de faire cette série aussi longtemps, aussi longtemps que vous le souhaitez.